à tous, c'est Manab, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur War of Crone. Nous sommes aujourd'hui pour un petit tuto sur routing de farming. Qu'est-ce qu'on fait sur War of Crone? Bah, au bout d'un moment, on est peut-être coincé en scénario, on a besoin de trouver du meilleur matos, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simple, c'est un jeu de grind, donc du coup, il va falloir aller grinder, il va falloir aller farmer, recommencer, sans cesse, le maximum possible pour obtenir des récompenses qui vont vous permettre d'obtenir du meilleur matériel, de meilleurs héros pour vous débloquer la suite du jeu. C'est pas plus compliqué que ça. Comment ça se passe? Il y a, je pense, plusieurs façons de faire. Moi, je vais vous présenter celle que moi, je pratique, mais c'est pas parole d'évangile. Honnêtement, vous avez peut-être des techniques différentes, vous avez peut-être des techniques meilleures. Donc, voilà, faites comme vous le sentez. Moi, je vais vous expliquer comment moi je fais. Libre à vous de suivre la même voie. Alors, moi, je farme de deux façons différentes. La première façon, c'est la façon où je vais optimiser les gains d'or. Et la deuxième façon, c'est quand je veux plutôt optimiser les gains d'exp et les gains et les chances de déclencher un wanted. Alors déjà, je vois que j'ai plus de mandoline, donc je vais aller refile toujours avec les points sociaux. Voilà. Hop. Très important de recharger avec les points sociaux. C'est pas proposé quand vous avez plus de mandoline. Il vous propose les tickets ou les grenats, mais n'oubliez jamais d'aller chercher la recharge avec les points sociaux. Alors, en héroïque, dans le vallon de l'océan, la première zone, c'est une zone où les monstres ne sont pas très forts. Vous avez la possibilité d'obtenir soit des petites breloques 3 étoiles, soit des monstres. Et ça, c'est très bien, parce que vous n'allez pas être parasité par des loots inutiles, comme des fruits, par exemple, qui vous servent à rien. Quand vous avez besoin de fruits, allez farmer les fruits, mais pas dans une routine de farming. Dans une routine de farming, vous allez faire ce donjon encore et encore et encore et encore. Vous voulez vraiment, voilà, optimiser les loots sur des choses utiles. Là, on veut de l'exp pour les monstres, on veut des breloques pour les revendre, des sphères de l'or, c'est ça le plus important. Le donjon va vous rapporter 2800 d'exp à vos monstres. Ok, vous savez que l'exp qu'on gagne est réparti, n'est pas réparti entre les monstres. Tout le monde gagne 2800. Voilà, c'est comme ça. Du coup, évidemment, il faut toujours y aller avec un maximum de monstres. Et il coûte 5 mandolines. 5 mandolines, ce qui fait que, je suis à 95, je vais pouvoir le faire 19 fois avant de devoir refile. C'est plutôt pas mal. Il faut rester attentif quand vous lancez le combat en auto, de ne pas rater un coffre, puisque un coffre qui apparaît, c'est tout de suite 10 grenats, c'est-à-dire un refile gratuit, et du coup, vous pouvez quasiment farmer à l'infini avec cette technique. Alors, je vais retirer le Nasdan, puisque quand je farme ce niveau-là, donc le vallon de l'océan, première zone en difficulté héroïque, je n'y vais qu'avec un rep. Et du coup, j'ai la possibilité de mettre 4 food à exp. Alors, on va en mettre 4, on va mettre un haut, un vent, voilà, gna gna, hop, et voilà. Voilà, j'ai mes 4 food qui sont prêtes. Hop, on est parti. On va prendre, pour farmer ce... Oups, un Asdan. Pourquoi? Parce que les monstres sont tout regroupés et ils sont à portée de l'AOE du Nasdan. Du coup, le combat ne va durer que quelques secondes. Le Nasdan va jouer s'il est plus rapide que les monstres, donc faites en sorte d'avoir des reps corrects. Le Nasdan va jouer, il va se mettre à portée, il va faire son AOE, il va tuer tous les monstres. Voilà, le combat va durer moins de 10 secondes. Du coup, faites attention, Vous avez juste 2 secondes pour checker s'il n'y a pas un coffre sur la map et pour empêcher le Nasdan de jouer, sinon c'est trop tard. Alors, le combat se lance. Voilà, ok, il n'y a pas de coffre, c'est bon, on va laisser le Nasdan jouer, on va pas couper l'auto et c'est parti. Hop et hop, voilà. Le combat est terminé.
Ça a pris 8 secondes. C'est pas... hein, c'est pas long. C'est plutôt très très court. On a 3 étoiles, tous les monstres obtiennent 2800 points d'exp, et vous, vous obtenez 120 points d'exp. Ça, c'est intéressant. Ça aura de l'importance pour plus tard, donc on y reviendra. 120 points d'exp, et tous vos monstres gagnent 2800. Voilà, ils sont tous passés niveau 5. Ok, très bien. Eh ben, on gagne aussi une petite breloque. Vous avez vu, hein, les loots possibles, c'est soit des breloques, soit des monstres. Ce qu'on veut, c'est aussi dropper des monstres, parce que il faut pas qu'on ait besoin d'invoquer des foods, je veux dire, d'invoquer des monstres pour ensuite les... Non, le but, c'est de... récupérer des monstres pour ensuite s'en servir comme food, etc, etc, etc. C'est un cercle, non pas vicieux, mais c'est un cercle vertueux, où vous farmez, vous chopez de l'or, vous chopez des cristaux en vendant ces foods, mais vous récupérez aussi des babioles qui vont vous les vendre et obtenir encore un petit peu d'ordre, et vous avez aussi obtenir les monstres qui vous serviront encore de food. Et voilà, ça ne s'arrête pas. Là, on a vu un livre droppé, donc du coup, on va obtenir une breloque et un monstre. Voilà, tout le monde gagne 2800 points de vie. Glang, glang, et c'est reparti. C'est très bien. Il nous en faut 4. Avant d'avoir monté tous ces monstres niveau 16, il nous en faut 4. Pourquoi je monte niveau 16? C'est strictement... voilà, il n'y a pas vraiment de raison très précise. Quand je les monte niveau 16, ils valent... Je trouve que ça demande pas trop de run. Ouh, je crois avoir vu un coffre. Peut-être que je délire. Je discute en même temps, mais je crois avoir vu un coffre. Alors. Ah oui, je délire. Je délire, j'ai pas vu de coffre. Hop, voilà. Donc voilà, ils vont rapporter 20 cristaux. Après, si vous les vendez niveau 15, ils en rapportent 19. Si vous les vendez niveau 14, ils en rapportent 18, etc, etc. Moi, je trouve que 16, c'est un bon compromis. Ça demande pas... J'ai pas fait le calcul. Honnêtement, je vous le dis honnêtement, hein, je n'ai pas fait le calcul. Je ne sais pas ce qui est voilà, au poil de cul près le plus intéressant en ratio or, cristaux, mandoline. Non, voilà. Moi, j'ai décidé que je l'ai monté jusqu'au niveau 16 parce que, voilà, je trouve que ça va assez vite. Il rapporte un nombre de points de cristaux qui est rond, hein, 20, c'est bien. Donc, du coup... J'ai 4 monstres, 4 x 20, 80, c'est nickel. Ça tombe bien, puisque pour avoir un ticket d'invocation de monstres 4-5 étoiles, il en faut 240. Et ben voilà, donc je fais ça 3 fois, j'ai 240, je peux acheter un ticket de monstres 4-5 étoiles. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et à la fois, ça nous arrange, puisque du coup, on garde nos cristaux pour refile. On garde nos grenats pour refile, les cristaux qu'on a, on s'en sert pour invoquer, et l'or qu'on obtient, bah, on s'en sert pour ensuite booster notre matos. Voilà, cette façon de farm vous permet de jouer de façon free-to-play. Voilà, pour toute la vie, pour toute l'éternité, ça marche, il n'y a pas de problème. Et puis ça va très vite, comme vous voyez, ça va très très vite. Le petit bémol sur cette technique de farm, c'est que vous obtenez des objets 3 étoiles. Voilà. Ça, c'est le point négatif, parce que arriver à un certain niveau de matos, ça va vous demander beaucoup, 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 beaucoup d'autres matos pour l'améliorer. Donc, il vaut mieux ensuite farmer du 4 étoiles. C'est pour ça que j'utilise ma deuxième technique de farm. Ça, c'était la première. Maintenant, je vais vous montrer ma deuxième technique de farming. Celle-ci, c'est celle que je privilégie quand je veux gagner beaucoup d'or, beaucoup de cristaux, et que, voilà, ça aille vite. Hop! Deuxième technique de farming, qui, elle, voilà, je vais en mythique, toujours au vallon de l'océan, toujours sur la zone 1. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas de loot intempestif, hein, il y a... le stuff, le matos, voilà, qui sont 4 étoiles cette fois-ci, et les monstres qui vont, bah, évidemment, du coup, me servir à refaire des foods, etc., etc. Ici, les monstres gagnent 4500 points de vie. Et vous verrez que nous aussi, pour le compte, on gagne un petit peu plus d'exp. Par contre, les runs coûtent 7 mandolines, là où tout à l'heure, ils coûtaient 5 mandolines. Et ils sont aussi beaucoup plus longs, parce que les monstres sont beaucoup plus costauds, et... Également, je peux pas y aller avec juste un rep. Quand j'y vais, je suis obligé de mettre, hop,
un monstre à moi, je mets mon up Nasdan, et voilà. Du coup, je vais up moins de food, mais je vais gagner plus d'exp sur ces food, et je vais gagner un petit peu plus d'or. Par contre, ça coûte plus cher en énergie. Hop, je choisis pas le même rep, hein, je prends ce Garrett qui est beaucoup plus costaud. Il faut des monstres costauds, hein, il faut des monstres costauds pour le farmer celui-là, mais vous allez voir, ça vaut le coup. Pourquoi je fais aussi celui-là? C'est Edune, pour obtenir du matos 4 étoiles, qui va du coup rapporter plus d'expérience pour l'amélioration de votre stuff. Vous aurez besoin d'utiliser moins de matériaux 4 étoiles que de matériaux 3 étoiles, hein, évidemment, pour améliorer votre stuff. Donc, c'est un gain, c'est une économie, entre guillemets, d'or. Et ça, c'est assez important. De plus, pour optimiser vos armes, tout ça, vous allez avoir besoin de matos 4 étoiles pour les passer 5 étoiles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est le plus important, c'est que pour obtenir du bon matos, c'est pas en scénario que vous allez l'obtenir, c'est sur les Wanted, c'est sur les boss Wanted. Et on améliore ses chances de déclencher un donjon 3 étoiles, Wanted 3 étoiles, en farmant en mythique. C'est pour ça que je farme en mythique. Le but est de maximiser les chances de déclencher un donjon Wanted 3 étoiles et donc d'obtenir du meilleur matos. Hein. En 3 étoiles, vous obtenez du matos 5 et 6 étoiles. Du coup, ben, c'est évidemment plus intéressant. Voilà, par contre, comme vous voyez, le combat est d'une beaucoup plus difficile. Il va demander des monstres déjà un petit peu plus costauds, hein. C'est clairement pas le même niveau. Autant l'autre vous demande rien, puisque ce que vous allez utiliser, c'est un rep. Voilà. Du moment que vous avez un rep qui permet de le faire, tout le monde peut le faire. Tout le monde. Puisque ça demande aucune puissance de votre côté. C'est juste la puissance du rep qui va vous permettre de farmer ce donjon. Donc vraiment, c'est pas du tout difficile. Pour farmer ici, c'est un petit peu plus difficile, puisqu'il vous faut un bon rep, mais aussi un bon monstre pour pouvoir voilà, embarquer quand même 3 food, sinon ça devient plus assez rentable. Donc voilà, là, je fais ça en un petit peu plus d'une minute. D'habitude, je fais quand même des meilleurs temps. Après, ça va dépendre un petit peu des critiques que vont faire vos monstres, mais voilà. Au niveau de l'exp, comme je vous l'ai dit, on gagne 4500 points d'exp sur les monstres, donc c'est déjà un petit peu mieux. Du coup, il faut à peu près une dizaine de runs pour qu'ils arrivent niveau 16. Vous allez obtenir un petit peu plus d'or, mais vu que c'est plus long, il faudrait que je calcule, hein, en termes d'or. Là, on a 4800 or pour 7 mandolines. Quel est le meilleur ratio entre l'or? Je crois que c'était 2800 tout à l'heure pour 5 mandolines. Bon. Et puis là, c'est 1 minute 25, là où tout à l'heure, c'était 8 secondes. Par contre, on gagne aussi 170 points d'exp perso. Encore une fois, on gagne plus d'exp, mais en plus de temps. Donc du coup, on progresse un peu moins vite. Voilà. Par contre, et pas négligeable, vous pouvez déclencher des Wanted 3 étoiles, et ça, c'est vraiment très très important. Et on drop du matos 4 étoiles. Voilà. Après, il y a d'autres techniques. Il y a des gens qui, en mythique... Ah, voilà, Ieko. il me donne ses techniques à lui. Il me dit que lui fait le 2-9. Hop. Alors, on va aller voir. Il fait le 2-9. Donc, la frontière d'Elven. Voilà. Bah, c'est très bien, on voit qu'on a du stuff et des monstres, c'est ce qu'on veut. Ça marche apparemment très bien aussi, avec double Nasdan, ou Garrett, et il fait aussi le 4-4, donc le 4, hop, à Titania, 4-4, encore une fois, une zone où il n'y a que du matos et des monstres. Hein. C'est très important, encore une fois, de ne pas avoir de loot voilà, parasite, quoi. Voilà, comme les fruits, les enchantements. Quand vous avez besoin de fruits, quand vous avez besoin d'enchantements, allez les chercher spécifiquement. Mais quand vous êtes dans une routine de farming, il ne faut pas qu'il y ait ce genre de loot. Hein. Ça va vraiment trop baisser vos stats et la qualité de votre farming. Donc voilà, choisissez la zone qui vous va. Hein. Voilà, moi je fais la 3-1, mais il y a des gens qui font du 2-9, qui font du 4-4. C'est égal. Choisissez la zone qui vous plaît.
et allez-y. Farmer. Vendez les monstres que vous avez exp. Moi, je les vends au niveau 16. Avec les cristaux que vous obtenez, commencez par acheter le Dark Anyang. Ensuite, achetez des marteaux quand même quelques-uns pour optimiser vos armes 6 étoiles. Et ensuite, bah écoutez, prenez-vous quand même quelques petits vélins pour invoquer des 4 et 5 étoiles. C'est ça qui va vous permettre d'augmenter votre panel de mobs, donc c'est pas inintéressant. Mais surtout, gardez vos grenats pour refile, vous l'avez vu. Les grenats, ça va partir vite, hein. Si vous farmez très longtemps, ça va partir vite. Il faut des grenats pour refile et pour pouvoir continuer à farmer et donc bah voilà, faire tourner votre roue du farming. Voilà les amis, cette vidéo sur ma routine de farming est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Ciao !